Andando! Ouais, du coup, ici, on est à Avignon et on vient de se faire un petit peu latter. Ça flashball dans tous les sens et ça charge alors qu'il se passait rien, comme d'hab. La même que d'habitude. Ce qui est con, c'est que les petits nouveaux qui étaient là, ça a marché ce que vous avez fait, du coup on vous rejoint et qu'ils comprennent ce qui se passe en réalité. Donc on est obligé de partir, on sait pas où, enfin on est encerclé à la limite là. Ah. Du coup on était à côté de la préfecture, il se passait rien, ils ont gazé tout le monde, mais à l'arrache quoi, ils ont flashballé et tout ça. On est à Avignon. Et là ils sont juste derrière là, attends je te montre. Ne cassez pas les voitures. Et là ils arrivent sur nous, ils avancent en ligne. Je sais pas si vous les voyez là-bas. Alors là je pense qu'ils vont pas tarder à tirer. Bon, on est là. Ils ont dispersé en deux gros groupes ça. Derrière quoi. Ah putain, il y a un mec qui reste au milieu là, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Oh putain, il y a des cailloux de partout ici, là, ça craint. Du coup, on n'avait pas le droit ni de rentrer, ni de sortir d'Avignon, quoi. On pouvait rien faire. C'est Avignon. Et ça flashball. Allez. Ils sont là, ils nous poussent, on sait même pas où, tu sais. Et je pense que finalement, ils poussent à l'affrontement puisque ils nous retournent vers leurs collègues en fait. Donc forcément à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on est à Avignon. Il y a des cailloux qui vont partout sur la route. On arrête de reculer là. À la fois ils avancent, on recule hein. C'est nous qu'il faut qu'on avance. Si tu avances, oh, voilà. Je recule. Donc ouais, vous étiez à l'intérieur tout à l'heure, c'est ça? On n'a pas pu, enfin on était vraiment à l'intérieur, mais on n'a pas pu. Bah nous à l'extérieur ils ne nous laissaient pas passer, à un moment j'ai réussi à me faufiler et du coup après ils m'ont empêché de ressortir. Donc là je pense qu'ils vont pas s'arrêter là, qu'ils vont continuer à avancer. Ça compte putain ça. Voilà. Et voilà. Et ça flash. Donc du coup ils vont tous nous envoyer centre-ville. Allez pas là-bas, vous allez faire flash voler.
Donc du coup ils nous ont fait faire gentiment le tour des remparts. Et arrivé devant l'arrêt, interdit d'entrer, interdit de sortir, les deux groupes séparés. Donc du coup on s'est retrouvés à la préfecture tous. Et tranquillement la préfecture, vas-y, ils ont envoyé la sauce. Alors que vraiment, hein, il se passait rien, il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien du tout. C'était juste, bon allez, c'est l'heure les gars, on envoie la patate. Continue d'a... Non, ils avancent plus là. Allez, sans arrêter. Du coup, voilà, ce qui va se passer, bah, c'est ce qu'il veut là, c'est qu'on aille tous centre-ville et que ça pète le bordel. Puisque de toute façon, on était à l'extérieur. Et comme par hasard, maintenant, t'as le droit de rentrer en ville. Voilà, tout va bien. Du coup, je vous invite aussi à rejoindre la page, non pas la page, le site internet. On a monté un site internet, on appelle justement aux journalistes par exemple à nous essayer de faire une liste des violences qui se sont passées. On invite aussi les référents des Gilets jaunes à indiquer leur groupe là sur le site. Alors le site c'est gilet.org. Du coup c'est en travaux ici, des cailloux de partout. On est d'Avignon. Là ça passe en mode casseur. Et ils continuent à nous suivre en fait. Ah non, ils suivent avec les camions et tout. Non mais la démocratie, la blague. T'as fait l'école du rire. Donc du coup, ouais, y a des gens qui à cause de ce qui s'est passé, ils disent, finalement ça marche qu'ils font, on va les rejoindre, et qui ont compris ce qui se passait pour de vrai. Et là ils sont un peu deg, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi cette dictature? Oui, il serait temps de s'en apercevoir quoi. Non, le site, c'est pas le site favori du RIG, le gilet.org, c'est... Il est hébergé... Je sais par qui il est hébergé. Et en même temps, s'ils veulent savoir quel groupe vous êtes, ils ont juste allé sur Facebook et basta, hein, je veux dire. C'est pas un secret, hein. Du coup, on va pouvoir bientôt mettre des systèmes de vote en place. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent la plateforme OS Démocratie. Donc s'il y a un dev qui veut venir aussi nous aider à mettre ça en place, c'est cool. Et des journalistes indépendants, des webmasters, des infographistes, tout ça. Allez sur le site, contactez-nous. Et on vous donnera les démarches à suivre. Voilà. J'arrête la vidéo, je la reprendrai peut-être plus tard. Je pense que la rue de l'Arrêt, ça va y avoir des étincelles. Voilà. Putain, mais regarde ça, les mecs, ils sont... Regarde! Cette dictature qui s'installe, c'est un truc de malade.